Allez, salut à tous, c'est Rayek. Allez, petite soirée tranquillou, un petit Risk of Rain Returns. J'avais bien aimé le premier. J'ai le 2, mais j'ai peu joué parce que je voudrais jouer avec des amis. Je voudrais des amis pour ça. j'ai pas eu le temps d'y jouer plus que ça. Et puis celui-là me fait fortement envie parce qu'ils ont amélioré pas mal de choses, on va dire, par rapport à. Ce qu'il y avait avant. Attendez, j'ai problème de. Voilà. Problème de retour. Ok, donc, go. Alors, jouer au tutoriel, non, c'est bon. Oui, c'est bon. Je connais le jeu, donc. Donc, on a deux personnages au début. Hein. Il va falloir en débloquer. C'est du jeu. Du roguelike, hein. Donc on va débloquer des trucs petit à petit et on va devenir plus en plus fort, enfin entre guillemets, on va surtout débloquer des personnages et des nouvelles aptitudes pour les personnages. Là, si par exemple on prend ici, donc soit on fait un défi, soit on termine 25 niveaux avec le commando et on débloque ses compétences, etc. Donc on pourra choisir après. Difficulté, je vais jouer en mode normal. Hein. Et les artefacts, je n'ai pas pour le moment. Et go. Salut Renight. Allez. Ok, d'accord, il y a un truc qu'il faudra changer parce que c'est pas terrible ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas grave. Allez, alors. Donc on dirige le petit bonhomme. J'ai mis la barre de vie au-dessus, hein, parce que c'est plus pratique. Alors là, je peux pas l'atteindre. Le coffre, parce que il n'y a pas d'échelle. Ils sont gentils. Des ennemis, ce serait bien déjà. Donc le personnage, j'ai pas les thunes de toute façon. Alors ce qui est bien dans ce jeu-là, on n'est pas obligé d'aller courir après les thunes. Les thunes viennent à nous. Donc le personnage a des compétences super. Je me suis loupé. Je vais essayer de remonter pour aller chercher. Donc j'ai une esquive disponible, j'ai plusieurs, on va dire, mais de toute façon je n'avais pas tué tout le monde. Donc j'ai une compétence qui va tirer vite et j'ai un gros truc qui tire à travers de tout le monde. Donc là maintenant je peux ouvrir un coffre, le coffre va me donner un truc, il me donne quoi là? C'est l'animation offre une barrière temporaire. Ok, donc c'est de la survie. Là-bas il y a un truc à 20, je peux pas aller plus loin, à moins qu'il y ait un secret. Non. Ah, c'est le petit jeu, tout tranquille. On va bourriner comme un malade. C'est bien, là je suis bien placé. Là. Voilà, j'ai tué un ennemi, j'ai eu un bouclier. Voilà, après on a des ennemis plus ou moins gros. Et alors quand on prend des claques, on prend des claques. Donc là j'ai un portail, je peux l'ouvrir quand je veux. Qui fera apparaître un boss. Le seul truc, c'est que vaut mieux s'équiper avant, donc tuer des mobs, récupérer des thunes. Puis, donc là, par exemple, c'est marqué en dessous, ça vaudra 25$. Et ça m'a donné un utilitaire. Bon plaqué or, faites tomber, exploser 50%. J'ai pas eu le temps de voir le... Non, tu restes en bas, toi. Non, tu restes en bas. Non. Directement, ils me mettent les saloperies, là. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir aller plus loin. Les méduses, elles sont casse-bonbons. Sinon, le jeu a une OST de ouf. Je prends trop de dégâts. Je vais mourir dès le premier. Il dit bonjour, merci. Aïe. Oui, alors, les platformers et moi. D'habitude, ça marche bien. Mais... Ça fait longtemps que j'avais joué au Risk of Rain, donc le Risk of Rain standard. Puis j'ai joué à Risk of Rain 2 un petit peu, je l'avais juste testé à Pilote, je crois d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ma chaîne. Et puis il y a celui-là qui est sorti, qui améliore normalement pas mal de choses. Donc ça c'est juste un truc, ça donne des thunes et des soins, de ce que j'ai vu. 5 ans, je peux le prendre. Hop, esquive. Ça permet de sortir rapidement d'un combat. Ok. Et
Alors, faut savoir que chaque compétence a un cooldown. Donc, ça peut être plus ou moins dangereux. Ralentir les ennemis d'attaque réussie, ok. Ce serait bien que je récupère un peu de points de vie. Ah, sinon, pardon, il y a ça aussi. Donc, il y a un timer sur le côté. Et qui augmente. Et en fait, ça va augmenter une jauge qui va rendre le jeu de plus en plus difficile. Et ils m'ont mis le truc avec des méduses. Putain, elle m'a touché, sale bête. Sale bête. Faut que je trouve d'autres coffres. Que j'arrive à prendre le... Chance d'infliger double dégâts. Ok. Un super jump loupé. Oula, ça c'est un élite. Ouf. Ok. B. Ah, il est dégâts. Bon, je pense que je vais pas aller très loin là. C'est bon, je l'ai vu. Améliore la récupération de PV. Ok. 8 TP, magnifique. Alors, chance de faire double dégâts. Ouais, je le vois de temps en temps. Fait quoi la bombe? Ah, mais ça balance des thunes en plus. D'accord. J'aime beaucoup. Alors là, je sais pas de à quoi c'est. Je crois que la seringue. Je vais prendre la seringue. Améliore la vitesse d'attaque, ok. Salut l'amiral, ça va. Aïe, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Meurs. Voilà. Il faut du soin. Je vais reprendre ça. En difficulté facile. Là, il n'y a rien. On peut descendre là? Non, je peux pas descendre là. Mais à mon avis, il doit avoir un secret quelque part pour pouvoir descendre là. Bon, allez, je vais aller activer le boss. Je vais aller mourir devant le boss. J'ai eu aucun... aucun pouvoir qui permet de soigner. C'est génial. Aïe. Là, c'est quand on se loupe. Hein. On va aller activer le boss. Putain, mais vas-y. Hein. On voit que les plateformes, c'est pas mon truc. Hein. Ah non, il est là-bas. Allez, c'est parti. Donc, faut survivre. Faut tuer le boss. Survivre pendant 90 secondes. Ok, j'ai celui-là. Ok, là pour le moment ça passe pas. On dit merci le bouclier. Ah, j'en prends plein la gueule quand même. Il y a trop de mobs au secours. J'ai rien pour récupérer des points de vie. Je suis mort. Non, on peut pas creuser les murs, malheureusement. Le jeu est jouable en coop. Hein. Le jeu est jouable en coop. Je vais réessayer, c'est pas grave. Mais c'est que je suis tombé sur... Je crois que les méduses, au début, c'est les pires mobs possibles que tu peux te taper. Allez. Je crois que je vais peut-être regarder là-haut.
Quand t'es un bon build, ça va, mais au début, c'est chaud, quoi. Non, il va tomber, sinon. Hop, on récupère les thunes. Alors ça, c'est de l'aléatoire, donc je vais pas gagner. Ah non, faut tuer les mobs, c'est vrai. Vite, 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 vite. Ok. Ralentis le tank, vous avez peu de PV. Super. Alors, je peux le faire une deuxième fois, je crois. Mais il doit coûter plus cher. Oui, il coûte 34. Il coûte beaucoup plus cher. Meurs, toi. Oh là, celui-là, pour l'avoir. Ok, bon là, ça va. Oh, ça, c'est bien, ça. Chaque fois que je tire, j'ai des chances de tirer un obus. Ça, contre les boss, ou contre des mobs un peu gros, ça va être pas mal. Ça, c'est yété dans le 1, ça, truc là. Ah ouais, mais eux, dès qu'ils t'approchent, à peine, tu prends quoi? Une horreur. Alors. Bon, là, il n'y a rien. Décède, sale bête. Ah non, je peux pas aller plus loin. Sérieux. Là, à mon avis, il doit y avoir un secret quelque part, mais alors... Ah, et chaque item, on peut l'avoir en plusieurs exemplaires. Hein. Donc ça augmente les chances que ça se déclenche, etc. Donc de se rendre complètement pété de plus en plus. Ah, je vais prendre un drone. C'est un drone, ça? Ouais. Alors ça, non. Il y aurait un boss de plus. Ok. J'ai défoncé 30 sauriens dans une partie. Ok. Ah, est-ce que je peux y aller comme ça? Oui. Bon, j'ai pas les thunes. Ouais, ils sont chiants. Aïe. J'ai pas assez de thunes. On va essayer de se booster quand même un minimum. Bah, je vais essayer. Zut, il y avait un trou. J'ai pas les timings des distances. Et les points de vie remontent tellement pas vite. Quoique là, j'ai des thunes. On va aller ouvrir lui en espérant que ça me donne quelque chose. Non, mais encore celui-là, je m'en fous. Donne-moi des trucs pour les points de vie. Ou des dégâts. Alors, faut faire gaffe, blesse les ennemis en tombant. Ok. Cas d'ennemis tués en tour de stalactites. Ok. On avance, tranquillou. Ah, un élite. Je peux pas aller plus haut, là. Ok, alors ça, c'est des bouquins. C'est si on tue un certain nombre de bestioles, ça rajoute un... La sale bête. On trouve le téléporteur, on va essayer.
Ah, j'ai des multiples. Je viens de voir qu'avec RT, je peux tirer plusieurs fois. Là, il y a un coffre. Je vais le récupérer. Là, il y a un coffre. Je vais le récupérer. Ça m'a donné élimination pour une barrière temporaire. Bon, j'avais le même truc tout à l'heure. Merde, je suis là. Putain. Est-ce que je vais avoir le temps? Vite, 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 vite. 7. J'aurais pas le temps. C'est bon, je l'ai eu. Ah, il me l'a mis là-haut, le salaud. Non, sérieux. Gagner de l'or au fil du temps. Ça, ça va être pas mal. Aïe, 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 aïe. Ah putain, je me suis accroché à la... Merci la barrière. Allez hop, on se fait le boss. Tant qu'à faire. C'est quoi? Vagabond errant. Je ne sais pas lequel c'est. Je vais vite le savoir. Ah ok, d'accord. C'est le pire, hein, une méduse encore. Bonjour, je fuis. Je prends tellement cher. Ah. J'y ai pas compris. J'ai dû prendre une attaque, je sais pas d'où. Alors, terrassé 20 souriens, une seule partie. D'essence, cet objet apparaît en jeu, d'accord. Je vais changer de perso, je vais tester. Je veux dire, j'ai très peu joué au... Enfin, j'ai très peu joué. J'ai joué au premier, on va dire une dizaine d'heures à peu près. Et le second, lui, j'ai très peu joué. Je vais essayer avec elle, on va voir. Il est peut-être plus facile, le perso. J'ai pas le réflexe sur certains pouvoirs. Donc elle, c'est une archère. Je crois que... Mais le jeu... Tu me... Normalement, il y a... C'est pas des départs aléatoires. Ça fait trois fois que je tombe sur le même départ. Il y a d'autres maps, quand même, dans le jeu. Ça fait trois fois qu'il met la même chose, quoi. Là, à mon avis, il doit avoir quelque chose. La caisse, je sais pas si elle permet d'avoir quelque chose. Ok, elle a ça. Ok, c'est assez rapide à revenir. Son esquive, je suppose que ça va être ça. Ok. C'est que vers l'avant, je crois. Alors... Des ennemis, s'il vous plaît. Des petits. Ah ouais, c'est pas la même chose. Elle fait quand même plus de dégâts, hein, j'ai l'impression. Ok, chance de repousser les ennemis. Ok, 23-30, je peux prendre un truc ici. Je sais pas ce que ça fait. Je vais prendre ça. Ajoute une charge à votre compétence secondaire. Ok. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est la même map. Non mais le jeu, il faudra qu'il m'explique. J'ai trois démarrages identiques, quoi. Sérieux. Meurs, s'il te plaît, sale bête. Ok, 30 pile poil. Tu me donnes. Ok, toujours. C'est dingue, hein. Il veut pas me donner des dégâts. Hein. C'est bien, j'ai appuyé sur une attaque, mais option. Ça, c'est aussi un truc qu'il faudra que j'enlève. C'est le truc en appui, là, ça fait afficher nos pouvoirs. Ça va être chiant.
Vas-y, pète-lui la gueule. Non, mais vas-y, vas-y, continue. Pète-lui la gueule. Voilà, parfait. Je vais arriver à passer au moins un boss. Ce serait bien, non? Enfin, avec le jeu, il arrête de me mettre dans la même zone. Ce serait bien pour avoir des trucs un peu différents. Parce que normalement, il y a quand même plein de zones différentes hein, dans le jeu. Hein. Mais n'importe quoi, je leur... Là, c'est ça, ça s'appelle se tromper de... Se tromper de... De touche. Il y a toujours rien, là. Je vais voir là-haut. Elle fait quand même plus de dégâts, hein, j'ai l'impression. Ok, le boss est là. On va essayer de se faire le boss ici. Attaque les ennemis, vous soigne. Ah, ben voilà, enfin. Enfin, mon truc. Ok, encore le vagabond. Je sais pas pourquoi, je prends des dégâts, mais je sais pas d'où ils viennent. Je veux dire, j'ai le problème, j'ai enclenché mon pouvoir, elle a attaqué, je peux vous quasiment pas bouger. J'ai pris tous les, toutes ses attaques dans la tronche. Et il est costaud le jeu, hein. Il est costaud. Je suis mauvais aussi peut-être. Est-ce que... Oh, enfin, une nouvelle zone, mon dieu. Avec d'autres mobs et plus ces trucs volants qui sont casse-bonbons. Allez. Et que dalle. Super content. Les thunes. Et là, il y a un truc secret, mais à mon avis, je dois pas avoir ce qu'il faut pour... Ah, quoi que, comme ça? Ah non. J'aurais pu. C'est peut-être plus haut, mais je vais pas prendre le risque. Alors, je crois que c'est chaque zone est en un certain nombre d'exemplaires. Donc, ça a fermé d'avoir des runs un peu différentes par rapport au placement, etc. Des ennemis, des coffres, non? Ah, j'ai pas les thunes pour le deuxième drone. Bon, les musiques du jeu sont magnifiques. J'aimerais bien qu'il y ait un mob là qui... Voilà. C'est le drone soigneur ou c'est un drone qui attaque? Ah non, ah, le jeu a absolument envie de me donner les méduses. Ok. Bon, avec elles, elles sont plus simples, les méduses. Parce que quand tu te déplaces avec le personnage, ça cible automatiquement. Donc, c'est plus pratique. Ah, il me manque un. Allez. Ah, quand t'as les mobs qui veulent pas venir. Ça y est. Voilà, deux drones. Ok. Donc j'ai le drone soigneur, c'est déjà pas mal. Et un drone qui attaque. Ok, je prends du niveau. On peut pas grimper. Et pouf! J'adore les bons qu'on fait dans le jeu, c'est vraiment excellent. Là, cette zone, elle est space. Ah bah c'est des thunes.
Et ils ont décidé tous d'apparaître en même temps. Qu'est-ce qu'ils nous font ceux-là? Hop, je me fais soigner. Il n'y a pas de coffre. D'accord. Bon, je vais essayer de me taper le boss. Pour changer de zone. En espérant avoir un boss pas trop casse-bonbon. Le colosse, ok. Allez, tu vas décéder, s'il te plaît, merci. Ah, la difficulté a augmenté. Je vais la voir, ce voici. Yes. Qu'est-ce que c'est? En cas d'ennemi tué, augmente vos PV de façon permanente. Oh, c'est bien ça. C'est un des meilleurs qu'on peut avoir. Plus je tue d'ennemis, plus je gagne de PV. Ça, c'est bien. Faut que j'attende encore quelques secondes pour pouvoir aller à la suite. Et je pourrais aller au niveau 2. Mais je perds toutes les thunes que j'ai. Mais elles vont être transformées en XP. Est-ce que je devrais pas balader un peu? Pour essayer de trouver un coffre, mais je crois qu'il n'y en a pas, hein. Il n'y avait que dalle. Hein. Alors, le problème, c'est que j'augmente la difficulté augmente au fur et à mesure que j'attends, en fait. Donc, je vais peut-être aller au deuxième niveau, j'aurai peut-être un petit peu plus de chance. Là, ça s'est quand même mieux passé. Voilà. Déjà là, il y a des trucs. Oh, la crowbar, je crois que c'est pas mal. Zut. Saloperie. Inflige des dégâts bonus aux ennemis possédant plus de PV. D'accord. Là, il y a des thunes. Non, j'ai dit, là, il y a des thunes. Alors, c'est le moment où on prend pas de dégâts de chute, c'est quand on utilise ça. Normalement. Il me soigne pas, le... Qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas ce que c'est. Oh, il y a un drone, là. Je suis à combien de thunes? 130. On va essayer de récupérer les deux trucs là. Comme ça, ça me fera peut-être un petit peu de... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce drone? Ok, il y a des thunes ici. Ok, c'est un drone qui... Et roquette. D'accord.
C'est la première fois que je le vois, celui-là. Il est énorme, ce drone. Oh, les dégâts qu'il fait. Oh, le drone... Ah, oh, t'en veux plein, des comme ça, de drones. Allez, 201, j'ai ce qu'il faut. Quoi? Il m'a donné jetpack qui me permet de sauter beaucoup plus haut. Il m'en a donné 5. Il y a un temps limite. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un temps limite. Tu m'as donné quoi? Ok, ça ouvre les coffres. Ah là, il y a un coffre là-bas, ça va l'ouvrir donc. Attendez. Coupé. Ok, pas besoin d'aller chercher l'étude. Là, j'ai une clé. Ouais, le truc du jetpack. Ah non, il est toujours là. C'est bizarre. Donc si je fais ça, ça a ouvert le coffre gratuitement. Magnifique. Magnifique! Après, c'est toutes les 83 secondes. Ah. Ok, j'ai trouvé le téléporteur. Bon, maintenant, je fais des grands sauts. Oui. Pardon. Oui. Faut pas que je me loupe. Eux, ils font mal. Hein. Bon, lui, je vais l'ouvrir normalement. Une bannière. Chaque fois que je gagne un niveau, il y a une bannière qui se met... Ok, j'ai récupéré plein de thunes, ça c'est cool. Faudrait que j'arrive à gagner un niveau à côté du truc du boss. Voilà, c'est une version élite. Aïe. Non, mon drone, il est où, mon soigneur? J'ai paumé mon drone soigneur. Il est où? Normalement, il doit être au sol quelque part. Il est là. C'est le problème des drones, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup mourir. Ça, c'est vite. Tu prends des dégâts, tu sais pas d'où ils viennent. Eh, le drone soigneur, tu fais quelque chose là ou... J'ai pas assez pour le ressusciter. Ah, j'ai de mal. Non mais c'est horrible. Je me prends des dégâts, mais je vois pas d'où ils viennent, quoi. C'est le problème, en fait. Ah, j'ai pris le même perso. Mais j'ai rien débloqué. Donc, c'est le problème. Si tu débloques rien, t'es obligé de continuer avec tes persos. Pas grave, on va faire encore quelques musiques. Oh, une des musiques que je préfère. Non, mais les méduses, faut qu'ils arrêtent, hein. Mais je joue en mode classique, là, ou... Les méduses, merci, mais bon, je m'en passerai, quoi. J'en ai eu le droit à chaque fois, quoi. Puis alors, l'option coffre. Je me croirais dans un Battle Royale quand je joue. Bon, j'espère qu'ils sont pas tombés trop bas. Ils sont toujours là. Loupé, ok, magnifique.
C'est la pire zone possible. Avec ce personnage-là, je crois que c'est plus dur de les avoir si t'as pas la bonne zone. Alors. Des coffres, mes pouvoirs, s'il vous plaît, le jeu. Est-ce que je peux tomber de l'autre côté? Parce qu'on ne voit pas. Ok, je peux tomber de ce côté. Je sais pas ce qu'il fait celui-là. Les amis lâchent des morceaux de viande curative. Ok, super. Au secours. Oh, je vais prendre le mortier. Et bien, pour une fois qu'ils me mettent des trucs, alors je sais pas ce que ça fait les dents, on va prendre. Soigne après une élimination. Ah, ça c'est bien ça. Récupérer un peu de points de vie, ça va pas faire de mal. Plus les steaks. C'est bon. On a un petit peu de moyen de récupérer des PV, donc ça c'est cool. Maintenant, faut du dégât. Ça sort pas souvent, hein, les... Ok, j'ai trouvé le truc du boss. Et hop, on active. Tel quel. Vagabond errant, encore. Tiens, il est chiant, vagabond errant. Bon, après, là, j'ai de quoi récupérer des PV. Là, ça va, j'ai une bonne zone. Et là, on repart de l'autre côté. Il est mort? Ok. C'est bien, parfait. Je vais récupérer mon item. Gagner un bouclier se recharge contre tous les ennemis. Ok. Ça c'est cool, des points de vie supplémentaires. Ok, elle est plus que 8 secondes. Ok, bon ça s'est bien passé. Première heure, il se passe rien. Ah, on peut aller par là, je crois. Qu'est-ce qu'il y a par là? Donc le monde des champis. Il y a un coffre ici, il faudrait que j'arrive à choper. Là, je peux dépenser des PV. J'ai rien eu, salaud. Ok, j'ai eu. D'accord. Alors, plus de morceaux de viande.
Alors, j'aimerais bien que les ennemis viennent ici. 153, ce serait pas une bonne idée. Une maison offre des barrières temporaires, ok. Là, je fais ça parce que j'ai les steaks. Hein. Parce que les steaks, c'est une bonne source de vie, là. On a un peu de régène de PV, c'est vraiment bien, ces trucs. Et quoi, ajoute une charge à votre compétence secondaire. Ok. Donc celle-là, je peux la faire... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ok, je peux faire double double shuriken, ok. Alors ça, c'est pour avoir deux boss en même temps. Non, merci. Ça, c'est quoi? Champ de mine instantané, ok. Bonjour. Non, je vais pas me rajouter un boss, hein. Je suis pas un psychopathe. Ah, ça, je m'attendais pas. Ok, c'est le bouclier qui a pris. J'ai pas les thunes. J'ai des drones. Oula, eux. ITP, eux. Donne-moi des steaks. Il est génial. Et qu'est-ce que je récupère? Ralentir les ennemis en cas d'attaque réussie, ok. J'ai toujours pas trouvé le truc du boss. Ça, c'est quoi? Encore des steaks? Ah, il veut... c'est soirée steak, hein. Mais on peut pas passer. Oula. Pas... Ok. J'ai toujours pas trouvé le TP du boss. Enfin, le portail du boss. Drone, on va essayer de le prendre. Mais pour le moment, il ne met pas trop d'ennemis, le jeu. On va pas se plaindre, hein, mais... Alors, je sais que j'ai un drone à l'autre bout, mais j'ai pas d'ennemis. Bon, j'ai un petit coffre. D'accord, super. Et d'un coup, il y a 300 millions d'ennemis, quoi. Ha 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 ha!
fou, ça a l'air d'être une version vénère du mitrailleur, lui. Ah non, faut pas que j'aille par là, là, si je shot par là, ça va pas être terrible. Petite épée, pas bonne idée. Les mines sont pas mal. Aïe le feu, aïe le feu. Ok. Oh, ukulélé. Je sais plus ce que ça fait, mais normalement c'est bien. Ça y est, le téléporteur est là. Ok. C'est quoi? Le tot... Encore? Heureusement que j'ai les trucs de bouffe, hein. Mes drones sont là, j'en ai un là. J'arrive à le choper, mais... Des steaks, c'est possible. Là, on dit merci le level up avec le drapeau. Et il m'a donné quoi? On a l'information, rendez-vous. Cœur. Gagne un bouclier, se recharge quand toutes les menaces sont dissipées. Ok. Ouh! J'ai passé! Il y a le level up qui s'est mis au bon endroit là. Allez, ah, j'ai la main, je suis tellement crispé sur la manette, c'est une catastrophe. Ouf. On pourra avoir un peu de thunes. Je peux pas aller là-haut, donc faut que je descende. Si j'arrive, voilà, merci, j'ai pris tellement de dégâts. Combien? 136? C'est quoi déjà lui? Ah, et c'est l'aléatoire, mais j'ai loupé. D'accord, c'est bien. Ah, j'ai oublié de récupérer l'autre mitrailleuse tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Combien? 300? Je vais essayer de... Je vais avoir de la chance. Meurs. Voilà, meurs.
Alors, j'ai rien eu. J'ai rien eu, trois fois d'affilée. Magnifique. C'est une chance sur deux, hein, normalement, ces trucs, de ce que j'ai compris. Et j'ai réussi à ne pas en avoir trois fois d'affilée. J'aime bien. Bon, quatre fois? Quatre fois d'affilée? Est-ce qu'il y a quelque chose à quatre fois d'affilée? Oh, j'ai eu quelque chose! Waouh! Mon dieu! Ouais, mais là c'est 800, je vais peut-être aller ailleurs. Je vais par là. Ça va. Non mais en activable, moi je suis bien avec avec mes mines. Ah, c'est en plus c'est le bouclier qui a pris, donc c'est bien. Test. Enfin, un passage secret là. Dommage. Alors, vous sonne rapidement quand on reste immobile, ok? Ça, ça peut aider. Enfin, on n'est pas très souvent immobile, mais bon. Ok, j'ai trouvé le boss. On va le faire tout de suite. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me suis fait exploser. Bienvenue. Ah, pâte de lapin débloquée. C'est tout. Putain, mais je débloque rien. Elle est bien en fait, parce que je réussis mieux avec elle. Hein. Attendez, je bois un coup. Ah, j'ai la main qui... je suis trop crispé sur la manette. Et je serre comme un sagouin la manette. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. On va rester par là pour essayer de choper le coffre. Il y a un petit plus, c'est quoi? C'est un coffre de soins ou c'est juste pour comme ça? Bon, ce serait bien qu'il y ait des ennemis quand même. Un petit là ou deux. Ch'toing, ch'toing, ch'toing. Bon, c'est des sacs à PV quand même, hein, les mobs. Hein. On va pas te dire. Hein. Pendant que nous, on est tout faible. Ok, j'ai eu le steak. Encore le steak. Avoir des copains. Alors, j'aurais préféré avoir d'autres copains que ceux-là. Le crabounet.
Oh bah oui, ils l'ont bien placé. Ils l'ont vachement bien placé. C'est pas des dégâts, ça. Eh bien, ils peuvent pas approcher, ça m'arrange. Ça, c'est quoi? C'est ça avec les petits machins? Quel les ennemis? Ok. Ah, je préfère celui-là, peut-être. Et c'est lequel qu'on va avoir? Encore le colosse? Tiens. Ah merde, la scie, elle est pas prête. Super. Vive les steaks. Ah, c'est une bonne place, en fait. Je dirais que lui, ça reste le boss presque le plus facile de tous ceux que le jeu propose. Augmente les PV, la récupération de PV et l'armure. Oh! Le bouclier qui est quasiment permanent là, parce que je tue plein de mobs. On va essayer de chercher 2-3 trucs, de toute façon, il faut que je tienne encore quelques secondes. On va voir si on chope pas un coffre. Là, j'ai 200 et quelques. Non, ça, c'est pas terrible. Ah, loupé. C'est bon. Hop là. Le gruik, non, on va prendre ça plutôt. Je sais plus ce que ça fait, mais... on améliore la récupération de PV. Super. Il y a quelque chose à ramasser en bas. C'est bien quand même de récupérer un petit truc de plus. Okay. Aïe! Tiens, normalement on devrait pas prendre de dégâts, mais ok. En fait on en prend. Allez, zone suivante. Il est prenant le jeu, hein. Même si on perd, c'est quand même ultra prenant. Mais bon, après il faut avoir un peu de chance. On va voir un peu. Alors. Wouah, j'ai eu quelque chose. Bobine Tesla. Oh. Oh. Ok. Je crois que c'est pété, hein, la bobine Tesla. Alors, est-ce que j'ai du bol? Waouh, 2 fois d'affilée. Chance de doubler les dégâts. Avec la bobine Tesla aussi, ça va être n'importe quoi. On peut aller là? Non, on peut pas. Ok. Ok, là j'ai eu un bon truc, je crois. C'est un rare ou un légendaire, je crois.
Ok, on a trouvé le boss. On reviendra plus tard. Aïe. Ah. J'ai pas eu le droit à trois fois d'affilée. Ah, il veut vraiment pas, hein. Bon après, il m'a déjà donné la bonne Tesla, donc on va pas se plaindre. Il y a des trucs par là. Parce que les niveaux sont assez grands quand même. Là, c'est par où je suis arrivé, non? C'est l'impression que ça donne. Je suis arrivé par là, non? Pas que non. Là, il tape de tellement loin, lui. Il m'a fait tellement mal. Aïe. Rattrapage de corde. Est-ce que je peux arriver de l'autre côté? Si, alors je dois pouvoir y arriver de l'autre côté si je fais ça. Voilà. Plus il y a de mobs, plus ça fait mal, j'ai l'impression, le Tesla. Ok. Y'a pas des steaks là-bas? C'est bon, j'ai récupéré de toute façon. Ah, ils sont chiants, c'est des snipers. Il n'y a pas de coffre ici. Le Tesla qui fait le taf, hein. Allez, on va aller vers le boss. Je vais faire ça avant, parce que je vais rien avoir. Voilà. Quand même. Allez. Ah, quand même. Bon, la bannière, ok. Faut que je reparte par là-bas, je crois, hein, pour monter. Il y en a encore un. Encore une chance. Il y a un coffre là, on va essayer de le choper. Et tu me donnes quoi? Ok, encore. Aïe aïe aïe. Non, c'est bon. Ok. Ok, récupérage de thunes. De toute façon, je suis obligé de faire le tour. Hein. Enfin, si j'arrive à attraper les cordes. Oups. Allez, on va aller se faire le boss. J'espère que le Tesla fasse le taf. C'est lequel? Encore?
Ah, je suis bien blessé là. Avec quoi ça permet de sortir rapidement d'un combat. Ok. J'ai pris un niveau ici. Faut que je tienne encore. Oh, elle est partie de l'autre côté, fais chier. Quand il veut, il me permet de partir. Voilà, merci. Le jeu qui voulait pas que je parte. J'appuyais, mais... Catacombe sous-marine. Non, pas un niveau sous-marin. Non, ça devrait être interdit. Non, c'est pas pour maintenant, lui, je crois. Ouais, on va laisser venir. J'ai pas assez. Je sais pas si je peux descendre là. Il y a pas l'air d'avoir de. Ouais, donc je pense qu'à mon avis, il faut que je remonte. Alors je vais essayer d'avoir les thunes. J'ai pas assez. Ok, le Bernard l'ermite là qui s'excite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'aléatoire? Bien sûr, donc l'aléatoire, donc j'aurai de la merde. Parce que j'ai... Oh, ça c'est pas mal ça. J'ai pas... Ça, le Tesla serait énorme avec un personnage corps à corps là. Oula, lui... lui, il va m'ennuyer, je pense. Petit coffre ici. Bon, j'ai pas assez pour prendre un drone. On va aller visiter là-haut. Ah. Ok. Oh, on peut aller là? Yes! Je vais récupérer un truc qu'il faut récupérer dans un niveau. En 47, j'ai pas assez. Le boss est ici. Oh, une caisse! Oh merde! Ok. Je me fais stun. Remboursé. Et les steaks. Ok, ça, ce sera bien pour après. Yes. Oh oui. J'ai libéré un perso. Cool. Se soigne. Dégueulasse.
Remboursé. C'est bon, j'ai éliminé tout le monde. Allez, on va appeler le boss. C'est lequel? Seigneur démon. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours. What? À l'aide. Il y a un monsieur qui m'a fait très mal. Sérieux? Aïe. J'ai pris des claques, j'ai rien compris là. Et des steaks. J'en vois pas des steaks ici là. Je passe à travers les mobs, mais... Bonjour. On va avoir des steaks, s'il vous plaît. Bon, ça va, là, ça va mieux. Plus faut les chances que les ennemis explosent en mourant. Ça, c'est bien, ça. Allez, je commence à avoir un build qui ressemble à quelque chose. Au secours. Alors, je suis des mobs, là. Ah oui, d'accord. Mais lui, c'est bonjour. J'ai 3 millions de PV, quoi. Dommage. Oh là, il y avait ça. Tentacule, couper la queue de quoi? Ah, c'est bon, je suis passé. Oh. Au secours. Ça se finit plus le jeu là. Oh, j'ai la main, j'en peux plus là. Au secours. Ah non, mais eux, ils ont l'air de faire mal. Ouïo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 uï
rend invisible après 3 secondes ou après utilisation d'une autre capacité, surprend et étourdit les ennemis en leur infligeant 50% de dégâts et tire dans la tête et inflige 500% de dégâts. Si cette capacité tue un ennemi, les temps de recharge du bandit sont tous réinitialisés. Waouh! Ok. En difficulté normale, on va rester comme ça. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne, ce monsieur. Bonjour. Merde. Ok. Ah, il fait moins de dégâts que... Heureusement que le mob il est débile. Hein. Tiens, prends ma grenade. Ok, un bidon d'essence, c'est quoi déjà? En cas d'ennemi, tu enflammes le sol. Ah, ça peut être pas mal. Bon, à un moment donné, on va tester ce sniper. Hein. On va aller visiter par là-bas. J'ai 28 gold. Un petit coffre ici. Alors lui, il avance peu hein, quand il tire. Hein. C'est dangereux. Ok, le lance-patate. Il y a un drone ici. J'aimerais bien le récupérer. Je pense avec lui, ça va être pas mal, le drone. Ah ouais, les trucs de flamme, je pense que ça va être bien. Alors ça, j'aime pas du tout. C'est une catastrophe. C'était pas une chance que ça... On lui faut un drone soigneur. Bon, c'est pas un soigneur, mais... Bray, il a une sacrée portée d'attaque, hein. Blesse les ennemis en tombant. Ouais, tu peux tomber sur les ennemis. Ah, ça va aider. On fait des petits jumps comme ça. Sting, sting. Ouais, d'accord. Tu peux te positionner vers le mob et tirer. Non, là, il n'y a rien, là. Faut se positionner et tirer et on reste dans la direction. Je vais pas regarder s'il y avait des trucs en bas. Mais il n'y aurait de rien à voir. Je sais pas où on est arrivé. Merde, 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 merde. Aïe. Ça va. Oups. Yamess, oui, casser la gueule. Il a un sacré recul, hein, avec le flingue. C'est plutôt pas mal. Je suppose que le boss va être là-bas, Dab. Où est-ce qu'il va être en bas? Ça c'est bien le truc, on soit pas obligé d'aller chercher les pièces. Ok, je suis invisible, je me déplace plus vite. Alors, est-ce que le boss est tout en haut? Ou est-ce que je vais avoir le droit à un petit coffre tout en haut?
Ok, il y a déjà un coffre, c'est déjà bien. Maintenant, on va trouver le boss. Il y a un deuxième truc. Missile Earth. Oh! Bien la vitesse d'attaque, ok. Ah ouais, on sent de suite l'amélioration de la vitesse d'attaque. Et un missile qui est parti. Là, tu es en train de pêcher, là. Mort de rire. Ah, je crois que je peux pas aller plus loin, là. Ok. Et décédé. Il y a quelque chose là-bas? Ah, il y a les trucs planqués. Ouais, non, c'est bon. Il y a trop de PV, lui. J'ai une cible autour de moi, c'est bizarre. Ok, ça c'est quoi? Créer un compagnon fantôme, ok. Ah, le boss est ici. Alors, lequel on va avoir? Vert de magma, au secours. Et tombe dans les flammes, s'il te plaît. Aïe. Ce perso, il a un dash de merde. Ça va pas être pratique, hein. J'ai pris tellement cher. Je pense que je vais pas le passer là. Disons qu'il a un dash pas terrible le perso. C'est compliqué. Là, je vais essayer l'autre perso. On va essayer Monsieur Acrid. Qui a l'air d'être une bestiole en bleu. Il a quoi? Mutile un ennemi pour lui infliger 120 dégâts. La cible est empoisée et subit 24% de dégâts. Neurotoxine crache une bile toxique et inflige 200%, enfin 220% de dégâts étourdis. Ok, boue corrosive sécrète de la boue toxique pendant 2 secondes. Et après, épidémie libère une infection mortelle qui empoisonne les ennemis à hauteur de 100% des dégâts par seconde. Ok. Voir ce que ça donne, hein. Il y a un truc qu'il faut que je change. C'est qu'ils ont mis l'attaque. Et c'est peut-être ça qui me fait crisper sur le light trigger. Utilitaire, compétence spéciale. Donc ça doit être ça. Voilà, et là j'ai inversé. Et là normalement je devrais tirer. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Parce que c'est... On dirige en même temps et on tire en même temps. Et ça, ça fait mal. Donc... Et je crispe trop. Voilà, là c'est mieux. Voilà, prends tes patates. C'est moi ou il a un boulet au pied? Aïe. Aïe, pardon. Je m'en vais. Alors, heureusement qu'il y a une petite régène. On va tester ses pouvoirs. J'ai assez. Et donne-moi un truc bien. Soigne après une élimination.
Ok, il est complexe à jouer, lui. Lui, il est corps à corps, donc c'est... Il y aurait des trucs intéressants quand il tape, mais... Alors, eux, ils sont chiants. On prend des dégâts. Ok. Ok. Bon, je récupère des bulles de soins au passage, ce qui est pas mal. Mais lui, ça va être chaud hein, contre les boss. Oula, là, y a, ça sent le secret là-bas, complètement sur. J'ai la souris, là, juste là, j'ai l'impression que ça sent le secret, ça. Peut-être qu'il s'est pris une gamelle, mais est-ce que je peux y arriver? Tiens. Ouah! Que j'avais dit. Je sais pas pourquoi, mais ça sentait. Trouver cet objet caché quelque part dans le monde et le déverrouiller. Construction nue, soigne à intervalles réguliers après avoir activé. J'ai pas compris, je l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi, mais ça te dit. Regarde, je suis un passage secret. T'as le boss là maintenant avec rien. Donne-moi quelque chose, s'il te plaît, le jeu. T'es encore. Bon, c'est bien, hein. Chaque fois que je vais éliminer, je vais gagner des points de vie, mais... C'est de récupérer encore au moins un truc, quoi. Enfin, si le jeu veut me donner quelque chose. Ok. Ah, le bidon d'essence. Ce serait pas mal, non? Ça met le feu. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Heureusement qu'il y a les points de vie rendus quand on tue quelqu'un. Allez, pour le fun. Il y aura plus de... Ce sera plus dur, il y aura plus de boss. Oh, c'est quoi ça? Il avait une couleur différente. Ajoute une charge de votre compétence secondaire. C'est laquelle? Ok, c'est celle-là. Ouais, vas-y, donne-moi des PV. Bon, lui, on va éviter de se confronter à lui. Allez. Restez en vie. Ouais, on va essayer. Vagabond errant. Encore ? Ouais, deux. Ça va être chaud de les flinguer parce que eux, si je les tape, si je les prends encore à corps. Heureusement qu'il y a plein de mobs qui meurent derrière, hein, parce que sinon, de tous les dégâts que j'ai pris là.
l'intro, je l'ai passé. Des montres utilantes, toutes vos attaques explosent. Ok, et un ulti. Oh oui. Oh oui, alors à celui-là. Ah oui. Oh, toutes les 20 secondes. Mais what? Ah, il est pété celui-là de pouvoir. Ok. Bon, j'ai eu des jolis trucs là. Pas me plaindre. Et heureusement que j'ai le truc qui me permet de me soigner quand il y a des mecs qui crèvent, hein, parce que sinon je crois que je l'aurais pas passé. Yo. Ah, on peut monter aux arbres, ok. Même les gros, ils ont le droit. Ah non, pas eux. Ok, vu les PV. Ah, il me manque 3, sérieux? Un copain, s'il vous plaît, avec qui jouer? Oula, la musique qui part en vrille. Fête de lapin permet de se déplacer plus rapidement, ok. C'est pas mal. Ok. L'élimination offre une barrière temporaire. Oh, avec les points de vie récupérés, c'est pas mal ça. Mais par où? Et Jack? Peut-être par là. Ça manque le truc qu'on puisse regarder en bas. Oh là! Celui avec les flammes, là, il me faisait mal. Hein. Aïe. Ils ont attaqué trop vite, j'ai pas eu le temps de sauter. Trouver cet objet caché quelque part dans le monde pour le déverrouiller. Donc, construction nue. Ok. Bon, on débloque les trucs petit à petit, c'est assez sympa. Quelle heure il est? Ça fait 1h30. Ok, allez, je m'en refais une petite. Je vais me refaire une avec l'archer, parce que je suis allé. C'est avec elle que je suis allé le plus loin. Puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on la prend en version bleue. Allez. Là, ça devrait peut-être un peu mieux. Je vais avoir moins mal. L'esquive est ici. Ok. Là, c'est celui-là. Ok, parfait. Ok, on a déjà trouvé des trucs bien. Il y a une. Faites péter les tuiles, les meubles. Bon, là, il y en a là. Allez, on a droit à quoi? Pose de la dynamite quand vous touchez un ennemi. J'ai pas le temps de lire la suite. Ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. C'est sympa. Et tu peux tout faire péter une fois, au bout d'un moment. Bon, après, le temps de recharge est un peu long, mais... C'est combien? C'est 50, hein, pour celui-là. Ok, on commence à avoir des copains. Ok, level up. Allez, 8, il manque. Et je tire. Bon, ça là-haut, je peux pas le récupérer, j'ai pas la... Faudrait double saut ou un truc comme ça.
On les dynamite. À un moment, ça va exploser. D'accord, elles disparaissent au fur et à mesure. Mais ça peut être très marrant. Chaque rayon explose en mourant. Ça, c'est bien, ça. Des dynamites qui pop au-dessus de moi. C'est énorme. Ok, on appartenait parti de là. Un petit jeu en pixel art, il est vraiment ouf. Ça va pouvoir sauter pendant que tu tires, etc. Ça, c'est fort. J'ai plein de thunes. Là, je suis un malade, j'ai augmenté la difficulté. Il y aura un boss de plus. Ah ouais, dès que tu prends un niveau, c'est pas la même. Hein. En plus, tu récupères des points de vie dans la zone. Je vais d'abord essayer de récupérer un truc là-bas. Pour voir s'il n'y a pas d'autres choses à récupérer. Les champis, ça me dit rien. On va prendre l'aléatoire. Bouclier répliqué quand vous subissez de lourds dégâts. Tout le temps, quoi, alors. On va s'en occuper après. J'aimerais bien trouver un autre coffre. J'ai un peu de thunes. Oh, un drone. Oh, je prends. Viens ici, le drone. Ok. C'est un agressif. Oh, et 25. Pile poil. Les ennemis font tomber plus d'or. Ok. Voir s'il n'y a pas d'autres trucs par là-bas. Je peux grimper. Oh non, mais lui, c'est bon, j'en aurai pour 3 heures. Il y a quelque chose en haut. Où est-ce que j'ai monté pour rien? Il y a un drone, donc il faudrait que j'augmente mes thunes. Ok, deuxième drone. Parfait. Là où il y a des thunes. Il y a encore un drone. On prend, hein. Trois drones qui attaquent, ça c'est pas mal. Il manquerait plus hein, que j'ai un drone soigneur et puis c'est bon. Allez, on va aller chercher les boss. Ça va être bien contre les pieuvres là. Ça va être très bien les drones. Après, il faudrait qu'ils évitent de foncer dessus pour prendre des dégâts. Ce serait bien. Ok, la difficulté a augmenté. Verre de magma. Ah, x2. Ah non. Oh putain. Au secours. Bon, ça va, elle au moins elle a un dash. Le problème c'est que je risque de perdre les drones facilement. Je lui ai fait péter la dynamite, il a pas aimé. Ok. Je sais pas ce que j'ai eu comme pouvoir, mais j'ai eu. Ok, je fais des flammes. Ok, c'est énorme. J'ai pris quelques niveaux à cet endroit-là. J'ai pris deux niveaux quand même dans ce temps, à cet endroit. Allez, 8 secondes à tenir.
Ok, j'ai réussi à tuer tous les ennemis. C'était cool. Alors, les flammes, pourquoi il n'y en a plus, là? Ah, ça doit être un effet de... Là, j'ai l'espèce de truc autour de moi. Ok, et quand je tue des ennemis, je laisse des flammes? Ok. Ça brûle. Ok. Ça sent le soin. Alors je sais pas si on peut rester dans le truc, donc je vais éviter. On va bien pouvoir le récupérer. Attaquer les ennemis vous soigne. Oh oui, merci. Ça, ça va aider. Et il soigne, lui? Depuis quand les champis soignent tout seuls? Merde! J'avais pas vu. Je me suis un peu loupé sur ma... Ah oui, faut... Ok, faut tomber. Chance de ralentir et blesser les ennemis au fil du temps. Ok. Bon, le petit soin à chaque fois que je tire sur les ennemis, ça c'est top. Salut Ignore. Is UA game key? Alors pas de sous, je not this game. It's a list on my Discord channel. J'ai pas vu le dernier truc que j'ai récupéré, mais. Un malade. Ok, le lance roquette. Dangereux là ce que je fais. On va vite récupérer plein de PV. The boss. Déjà, il y a ça qui est bien. Ah, est-ce que je peux? Non, oula, c'est dangereux là. Je peux pas le choper, faut que je fasse le tour, j'ai l'impression. Ok, faut que je fasse le tour. Ok, le bouclier enflammé, c'est ce que j'ai. Mon chien, c'est champi. Ok, le boss est ici. Et on va lancer. Qui c'est que j'ai? Totem. Ah, c'est ceux-là? Au secours. Ok, ils n'arrivent pas à monter, ce qui est bien pour moi. Et ça, c'était pas prévu. C'est moi où j'ai plus mes drones. Je crois que j'ai plus mes drones. Ok, j'ai récupéré mes drones.
Je vais remonter mes PV. Les PV sont redescendus. Et j'ai éliminé une bonne partie des mobs. Le problème, c'est que le boss est resté là-haut, je crois. Mais ça, ça va pas être pratique. Ah ! Est-ce que j'aurais trouvé un moyen de tuer le boss sans prendre de risque ? Ah merde, il y a des mobs qui arrivent. Ça y est, où il est tombé ou il est mort ? Il est mort. Et il a looté quoi ? J'ai pas vu. Ok. Ok. Ouh ! Dépassé. Ok, la toundra. C'est bon, j'ai pu récupérer tous mes drones. Ça, c'est cool. Parce qu'ils aident quand même, hein, fortement. Ah ! Ok, la faute des thunes. Beaucoup de thunes. Faudrait des mobs déjà. On viendra là-bas après. Ah merde, ça donne qu'un activable, et là... Oh, la clé qui permet d'ouvrir les coffres. Gratuitement. Je vais pas prendre ça. Et j'ai plein de thunes, on va aller par là-bas. J'ai pris quoi ? Les ennemis font donner plus d'or, ok. J'ai un secret là ? Ouh. Ça va, heureusement qu'on prend pas trop cher. Ok, le boss est ici. Ouh, la version golden, il est chiant, lui. Je vais attendre que mon objet soit réparé, que soit rechargé. Des dégâts, tu les vois pas venir. Ah, oh putain, j'ai perdu tous mes
Mais c'est quoi ces machins? Ils se régénèrent entre eux là. Ah, j'ai sauté, j'ai loupé. Je voulais ramasser le truc et j'ai ressauté en plein dans la claque du mob. Alors, des féries situées, le verre magma, le vagabond errant et le colosse. Et ça débloque. Oh, l'exécuteur. C'est sûrement peut-être joué. Des féries finissez un chronomètre de tes avec 0,5 sur la carte. Ça fait. Des verrues, le jetpack à photons. Ouais, ça, plus ça va, plus il y a de trucs qui vont apparaître. Donc ça devient de plus en plus costaud. Mais le jeu est vraiment sympa. C'est quoi ça? Défi de Providence. Éliminer la horde ennemie protégeant le colosse, protégeant le colosse final. 1 minute 35. On tente. Il y a l'air d'avoir des thunes un peu partout. J'ai pas assez. C'est mal barré là. Ah mais il a un pépon, il a pas le truc. La médecine gigantesque réinitialise votre temps de recharge, ok. J'ai pas assez de thunes. Je suis mort. Bientôt. Eh, je m'attendais à. Il a pas le. Il a pas le. Comment dire. Le tir. Il a le tir du pépon, il a pas un tir normal que j'ai d'habitude. J'ai pas les thunes. Ah d'accord, t'as pas le choix, c'est celui-là qui te donne. C'est quoi ça? Gagner un bouclier se recharge à toutes les menaces dissipées, ok. Le problème c'est que je peux pas aller là, celui-là là. Ah mais j'ai pas assez. Je retourne le personnage, il se retourne pas, ça c'est chiant des fois. Du premier coup la deuxième fois. Alors ça fait quoi? Un exploit colossal et ça fait des verrouilles à bout portant. Vous pouvez désormais équiper cette compétence. Ah et c'est celle que j'avais là qui était bizarre pour moi. Ok. Bon. Les mecs, 1 minute 35 le record. On voit le... On voit en dessous avec le... Juste là, là. 1 minute 35. Ouais. Bah ok. Bravo au gars. Ça débloque d'autres trucs. Ok. Donc ça permet de débloquer pour les autres personnages.
Ok, là, par exemple, j'ai tous les autres... Les tous autres pouvoirs du survivant. Enfin, du premier personnage. Là, j'ai pour... C'est quoi? C'était le sniper, pas le sniper, le pistolero. Je sais plus. Et ça, c'est pour l'archère. Grimper jusqu'au téléporteur en utilisant des fléchettes de téléportation pour l'atteindre. Ok. À déverrouiller. Et t'as le défi qui dure 5 minutes. Ok. Sympa. Sympathique. Bon. Je vais arrêter là parce que je commence à avoir mal à la main à force de crisper comme un psychopathe. Donc, pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage, à tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.